Le chiffre 8 doit être impliqué dans tes lavages, dans tes jours de jeûne. Oui, j'arrive. Il y a déjà deux questions qui se... Dans tes jours de jeûne, dans tes offrandes, dans tout ce que tu prends comme résolution. Et je suis content parce qu'il y a un film dans lequel on a programmé quelqu'un avec un chiffre pour cambrioler son compte bancaire. Je ne me rappelle plus très bien de ce film. Hein? Inception. On a téléchargé un chiffre dans sa tête. Donc, le gars entre dans la salle de bain. C'est quel chiffre encore? J'ai oublié. C'était 5, c'était 2000, c'était quoi? Il voit ici 5. Il part là-bas, il voit 5. Il part. On a programmé son mental. Le gars a paramétré le compte bancaire avec le chiffre qu'il avait. Le chiffre 8, c'est le chiffre du recommencement, le renouveau. Le recommencement. Tout ce que tu dois être en train de faire doit avoir un trait avec quoi? 8. Un enfant qui est construit au mois d'août, quand tu as la révélation d'une telle puissance, il suffit seulement que tu déclares sur cet enfant que tout ce qui se répétait dans cette famille au travers de toi, à partir de toi, cet enfant, il n'y aura plus ça, il n'y aura plus ceci. T'inquiète pas, je vais encore creuser, tu vas comprendre. My God. Regarde. Si tu fais une offrande avec le chiffre 8 et tu déclares sur cette offrande, ceci c'est un nouveau départ. Bon, je vais te donner un de mes secrets. Moi, le du 1er janvier jusqu'au 8 janvier, je suis en jeûne à sec. Parce que je veux créer du nouveau. Tu as dit que tu veux changer les choses. Je suis en train de t'amener. Le chiffre 8.